Ferme ta gueule! Salut tout le monde, on se retrouve pour un enterre, une vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour des raisons particulières. Vous devez savoir que j'adore le rugby. Je sais, vous n'en savez rien. Je fais très souvent des matchs. Et hier, j'en ai fait une. Avec l'équipe de Alan. L'équipe le plus nulle à chier, sans vouloir vous vexer, l'équipe d'Alan. C'est juste qu'ils sont pas très bien entraînés. Et bah, l'année dernière, on les a battus. On les a humiliés. 10 à 35. C'est un score de ouf. Mais là, là. On se fait laminer, putain. Et tellement que moi, j'ai exprès de compétition, ça fait déjà quelques jours. J'arrive toujours pas à m'en mettre. Je déteste perdre. La défaite, c'est pas moi. C'est la victoire que j'aime. Donc préparez-vous à voir cette vidéo qui va parler de ma défaite. Et surtout, préparez-vous à me voir chialer. Ta gueule. Savoir que la défaite, c'est horrible. Aïe. C'est pire que de perdre sa petite soeur. Bon, d'accord, pas à ce point-là, mais c'est pire. Je vous explique le rugby pour ceux, c'est quoi, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le football américain, en fait. Tu dois courir avec un ballon en forme de melon. C'est assez amusant, c'est assez dangereux. Je me suis déjà fait opérer de l'épaule une fois à cause du rugby. Ah non, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Et bah en fait, ça fait 3 ans que j'en fais. Et j'ai seulement. J'ai eu zéro défaite. En 5 ans. En 3 ans, pardon. J'ai fait 5 matchs. Parce qu'on n'en fait pas beaucoup en ce moment. J'en ai perdu zéro. À part celle-là, c'était la sixième. Je l'ai perdu. Imaginez plus tard, je deviens maman. Ah, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Je vais leur dire, j'ai fait un match et la sixième, je l'ai perdu. Là, pourquoi on a perdu? Premièrement, en plein milieu du jeu, moi, la meilleure joueuse, sans me vanter, je me suis fait mal. Donc, je suis partie 20 minutes de pause. Ils ont marqué 5 essais en 20 minutes. Juste en mon absence, t'as la meilleure défenseuse qui s'est fait très mal. Elle n'a pas joué durant tout le match et s'est fait remplacer par une nulle à chier. Et en plus, on a fait une faute. L'arbitre dit qu'on aurait lancé le ballon par devant. C'est ton devant que je vais péter, arbitre de merde. Apprends un peu à gérer et apprends les règles. Et voilà comment on en est arrivé à cette humiliation. Désolé pour les habitants de Coulaine. On n'a pas pu, on a tout fait, mais on n'a pas pu. Et pour ceux qui se demandent si je parle vraiment, à vous de voir, mettez-les-moi en commentaire votre avis si je parle vraiment ou pas. Mon maillot écrit Carmen Carapétian, je veux le déchirer. Je ne mérite pas d'avoir un maillot comme ça. Je ne mérite même pas d'avoir de rugby. Je suis qu'une nulle à chier, je suis qu'une ratée. Du coup, j'ai voulu partager ça avec vous. Bon, c'est bon, je vais y arriver. Il faut savoir que j'en ai deux émotions quand je perds un match. Soit, oh pardon, soit c'est la tristesse, je me mets à chialer pendant un mois. Soit c'est la colère et je bute la tête de quelqu'un. Bon, c'est souvent mon grand frère ou alors mes peluches. Mais c'est jamais bien par mes parents. Ah non, parce que je suis pas assez conne. Je veux pas être privée de match de rugby, surtout qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde, alors je me comprends aussi, bien sûr. Et surtout, quand en ce moment, moi je suis une fan de musique et j'ai besoin de musique pour m'isoler, genre écouter de la musique, ça va peut-être me changer les idées. J'ai cherché plein de musique en parlant du rugby. Tout ce que j'ai trouvé, c'est l'énigme nationale du rugby.
Bon, je l'ai écouté 100 fois. Mais à part ça, rien d'autre. Allez, bon, je vais aller m'entraîner pour pas louper le prochain match. On se revoit dans quelques jours, juste histoire de vous faire plaisir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désolée, les amis, de vous avoir fait voir cette vidéo de merde. Likez, abonnez-vous, mettez un commentaire. Allez, je vais aller m'entraîner parce que le prochain match c'est dans un mois, j'ai pas envie de perdre, hein. Bisous, à la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire une autre vidéo si je suis pas encore en larmes à cause de ce match. On se fait un McDo? Merde, je l'avais pas éteint.